L'année 2024 marque un point d'inflexion dans le paysage entrepreneurial algérien. Une intéressante dynamique se fait distinguer, animée par la volonté de la diaspora algérienne de retourner s'installer en Algérie. La communauté algérienne établie à l'étranger analyse l'éventuel choix de rentrer au pays afin d'apporter un nouveau souffle de par leur expérience et leurs compétences acquises à l'étranger. Cette volonté de retour d'immigrés constitue un réel vecteur de dynamisme pour l'économie nationale. L'apport de cette diaspora passe par divers domaines. On parle notamment de compétences, d'innovation ou encore d'une simple détermination d'entreprendre dans leur pays d'origine. L'État algérien a décelé l'opportunité inouïe que constitue ce phénomène. Plusieurs processus d'accompagnement et bon nombre de facilitations ont été mis en place pour épauler ces éventuels retours. L'Algérie met tout en œuvre à procurer à la diaspora algérienne un environnement opportun à l'entrepreneuriat. Mais pas seulement. Des facilitations administratives, une assistance continue, des mesures exceptionnelles ont été mises à leur disposition pour qu'ils puissent d'une part participer à la croissance économique de leur pays, mais également faciliter leur quotidien à l'étranger. Les équipes d'Al24 News sont parties à la rencontre de cette diaspora, cap sur le sud de la France, où les ressortissants algériens ont partagé avec nous leur quotidien, leur expérience ainsi que leurs aspirations. Nous sommes à Marseille, la ville française qui, au dernier recensement, abrite 245 000 ressortissants algériens. Depuis son installation en novembre 2023, le consul général d'Algérie à Marseille, Imad Slatnia, a instauré un rendez-vous hebdomadaire, le Café de l'Amitié. Un moment d'échange, de partage avec la société civile qui est conviée chaque samedi au consulat général d'Algérie à Marseille pour exposer ses doléances ou tout simplement élargir son cercle professionnel ou même amical. Quelques mois des élections présidentielles, actualité oblige, le cœur du débat lors de cette rencontre, les inscriptions en liste électorale, ainsi que les facilitations apportées par l'État algérien pour permettre aux ressortissants algériens de voter dans des conditions favorables. Il y a un intérêt, c'est-à-dire une attente de ce rassemblement des Algériens grâce au consul général d'Algérie à Marseille. Et nous sommes en train de nous rassembler, de s'écouter, de se respecter, d'échanger, de voir un petit peu tous les points communs que nous avons ensemble. Surtout à Marseille, il y a une grande communauté algérienne. Et cette grande communauté algérienne a besoin juste d'être rassemblée. Cette diaspora aujourd'hui a un rôle à jouer de part et d'autre dans tous les domaines. Surtout aujourd'hui, on a... Grâce au président, aujourd'hui, il y a des belles directives à destination de la communauté à l'étranger. Je pense que grâce aujourd'hui aux prochaines élections qui vont se passer à Marseille, je pense qu'il y a un engouement qui doit se faire, il y a une nécessité, c'est un devoir. Nous devons nous déplacer, nous devons nous inscrire sur les listes électorales. Ça peut se faire, c'est très bien organisé ici, il n'y a pas de chaîne d'attente, il n'y a rien à faire. Vous arrivez, c'est juste une formalité. Il y a des bureaux de vote qui vont être mis en place dans le 13-14 et dans le 15-16 où les gens n'auront pas à se déplacer, des grands déplacements notamment sur Marseille. Des invités toutes catégories socio-professionnelles confondues, des habitués ou encore des nouveaux venus, c'est dans une ambiance conviviale et chaleureuse qu'ils ont été accueillis. C'est une vraie opportunité de pouvoir rencontrer d'autres citoyens de la communauté algérienne bien représentés en France. Et ça nous permet de pouvoir échanger puisque les personnes participantes sont issues de différents domaines. Ça nous permet d'avoir un vrai rassemblement, de partager des convictions, de pouvoir échanger sur le développement de l'Algérie puisque l'Algérie est en plein développement et c'est très important pour nous de pouvoir aussi savoir comment on pourrait y contribuer et de pouvoir participer à la fois au développement de la diaspora algérienne en France, mais également en Algérie. Je suis médecin, je fais partie de l'association de santé, de professionnels de santé de Provence.
Donc nous intervenons sur, dans les quartiers, sur les gestes qui sauvent, l'alimentation, et ça permet un petit peu de créer du lien entre en tant qu'un citoyen franco-algérien. De jeunes entrepreneurs issus de la diaspora aspirent à retourner en Algérie. Une jeunesse qui constitue un vecteur important à travers son rôle futur à dynamiser l'économie du pays. Au-delà de la croissance économique, les potentiels retours des immigrés au pays s'inscrivent aussi dans une volonté de réintégration et culturelle et sociale. Ces derniers temps, on voit que des jeunes comme nous, qui sont nés en France et qui sont d'origine algérienne, investissent et réalisent des projets en Algérie. Et ça nous fait prendre conscience que c'est possible. Donc ça nous donne envie, nous aussi, potentiellement, dans tout ce qui est construction ou autre information, de par nos métiers. J'ai oublié de préciser que du coup, j'étais psychologue. Et voilà, ça nous donne envie d'investir, nous aussi, dans notre pays d'origine. On a remarqué une évolution dans l'organisation. Ça a été très facile pour nous de renouveler l'entièreté de nos documents alors qu'on en avait qui étaient périmés depuis un bon moment. Donc voilà, ça a été facile et ça nous aide dans notre démarche de nous dire qu'on se projette à aller régulièrement en Algérie dorénavant. Nous avons rencontré Nazim Sini, jeune entrepreneur algérien installé à Marseille, formateur et agrégé d'économie. Il intervient dans les écoles de commerce, il accompagne de jeunes entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets. On voit dans ce qui se passe en Algérie, notamment en matière d'investissement, il y a une vraie volonté justement d'améliorer le climat des affaires. Il y a des avancées qui ont été extrêmement importantes. Je note notamment en matière d'infrastructures réseau, on a un débit internet qui est de très bonne qualité. On a aussi des infrastructures routières, aéroportuaires aussi, qui sont de standards internationaux. Il y a aussi un cadre réglementaire qui a été aussi amélioré. Je pense notamment à la création de l'API qui gère les grands projets d'investissement structurants. Je pense aussi à l'ANAD avec la possibilité pour la première fois en Algérie d'avoir un statut auto-entrepreneur, ce qui va booster l'entrepreneuriat dans notre pays. Et je trouve que de ce point de vue-là, il y a un vrai appel à notre communauté nationale établie à l'étranger. Il y a des facilitations qui lui sont accordées, notamment en matière d'exonération fiscale, notamment en matière de facilitation à travers un guichet unique, mais aussi, et c'est une première, le fait qu'on fasse plus de distinction entre Algériens résidant à l'étranger et Algériens locaux, si je peux dire ainsi. Ce qui est important, c'est de voir le dynamisme de certains secteurs d'activité, comme celui des services, de l'industrie, de l'agriculture, et notamment aussi des start-up et du numérique. Donc il y a de vraies opportunités, un vrai potentiel de croissance. La seule chose, c'est que dans notre pays, évidemment, il faut être en mesure d'être patient, d'avoir un projet qui soit solide aussi. Nazim nous parle de l'environnement propice en Algérie à l'entrepreneuriat. Il sensibilise les ressortissants algériens à investir dans leur pays d'origine et ainsi participer à son essor. Si je peux me permettre de donner plusieurs conseils, et non pas un conseil, il y en a au nombre de trois. Le premier, c'est de venir avec un projet qui soit mûri, qui soit abouti, pour le tester et surtout l'éprouver sur le terrain. La deuxième chose, c'est de venir en Algérie. En fait, le plus important pour moi, c'est de faire plusieurs voyages pour observer le marché, prendre des notes, discuter avec des professionnels, des fournisseurs, des clients potentiels. Et puis surtout, vous le voyez, il y a une vraie dynamique en Algérie en matière d'événements économiques, des salons, des conférences, des rencontres. Il ne faut pas hésiter à se déplacer pour échanger des cartes de visite et surtout avoir un retour d'expérience de ces personnes-là. Et puis le dernier, c'est faire preuve d'une immense patience parce que justement, le temps qu'on s'est fixé, nous, n'est pas le même sur le terrain, notamment avec l'administration, etc. Même s'il y a des efforts qui sont en train d'être menés, notamment pour digitaliser, dématérialiser certaines démarches, ça en vaut la peine parce que vous avez des ROI, des retours sur investissement qui sont extrêmement rapide en Algérie. Il y a des secteurs qui sont vierges ou du moins il y a une très faible concurrence. Et puis surtout, les Algériens sont friands de nouveautés, sont friands de qualité. Donc si vous venez avec un projet qui répond aux exigences du consommateur algérien, à savoir un produit compétitif avec une qualité qui répond aux standards internationaux, vous avez toutes les chances de réussir. C'est un pays qui, pour moi, relève de l'avenir de l'Afrique. Nous sommes 45 millions d'habitants, 50 millions d'habitants d'ici 2030.
importante, avec des taux de croissance qui sont quand même le double de ce qui se fait en Europe. Il y a une vraie dynamique de reprise, il y a une volonté politique. Maintenant, tous les efforts qui sont faits, on va récolter leurs fruits que dans quelques années. C'est très important de comprendre que le temps politique n'est pas le même que le temps de l'économie. C'est deux, on va dire, timelines différentes. Mais moi, je suis persuadé que tous les efforts que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de semer, nous finirons par en récolter les fruits dans les mois ou les années qui viennent. À plus de 600 km de Marseille, nos équipes ont rejoint le port de la Lune, la cité girondine Bordeaux, où le consulat d'Algérie a organisé une rencontre avec les ressortissants algériens établis là-bas, dans l'optique de lier des liens, d'échanger, mais aussi d'écouter les doléances de chacun. C'est aux gens de le faire. Donc il faut le nombre d'inscrits, beaucoup d'inscrits. Je reste sur l'ère de la numérisation. Donc on sensibilise par la même action le fait de remettre un document. C'est à l'ordre du jour, les élections présidentielles anticipées, ouverture des listes électorales, les facilitations administratives, festivités du 5 juillet et promotion du patrimoine culturel algérien. Très actif, le consul général Tawfiq Tabti a présidé cette rencontre. Il a été à l'écoute des compatriotes algériens qui n'ont pas manqué de proposer certaines alternatives pour une meilleure organisation des élections présidentielles anticipées. À l'instar de bureaux mobiles itinérants, plus de communication sur les réseaux sociaux ou encore mise à disposition de moyens de transport pour les personnes à mobilité réduite. Une société civile extrêmement impliquée, soucieuse de l'avenir de son pays, mais aussi très touchée par le geste de l'État algérien à leur encontre. Ça a été un plaisir justement de voir un peu la diaspora algérienne, de discuter avec eux sur les modalités, certaines modalités qu'on ne connaissait pas, et surtout pour de stimuler les jeunes justement pour faire leur devoir de citoyenneté. Vraiment, c'était excellent et j'espère qu'on reviendra, Inch'Allah, la prochaine fois et que ces élections seront réussies. On a pu aussi discuter des célébrations du 5 juillet avec différents projets. Le but est de pouvoir faire honneur à l'histoire de nos martyrs et de mettre en évidence l'histoire du drapeau algérien. Retour à Marseille. Nous sommes intéressés de plus près au quotidien de cette société civile où le cadre associatif occupe une place importante dans la sphère publique. De par son implication, sa présence et ses efforts à assister les plus démunis. L'association culturelle An-Nasr dirige la mosquée de la Caplette, dispense les samedis et mercredis après-midi des cours d'arabe et d'éducation islamique aux enfants des ressortissants algériens. Ils font un gros travail pour accueillir les élèves de Marseille, la diaspora algérienne ainsi que la communauté musulmane en général. Il y a un travail énorme de la part des profs qui ont la patience avec les élèves pour leur apprendre leur langue. La mosquée de la Caplette, c'est une très belle mosquée. On peut faire la prière là-bas, apprendre des cours de Coran, d'arabe ainsi de beaucoup de professeurs. Je trouve que cette école et cette mosquée est très bien car il y a des professeurs très bons, une très belle association, école d'arabe. Et on peut faire le Coran, les cours d'arabe, on peut même prier, voilà. Je suis de la mosquée An-Nasr, ça fait à peu près 8 ans et je fais les cours arabes ici. Et d'ici, Inch'Allah, cette année, je vais aller à la colonie en Algérie. Pour visiter le patrimoine culturel en Algérie. Les membres de la diaspora algérienne à l'étranger peuvent envoyer gratuitement leurs enfants en colonie de vacances en Algérie. Lancé par le président Abdelmadjid Tebboune en 2022 et confié à la Grande Mosquée de Paris, l'initiative rencontre un franc succès auprès de la communauté algérienne, en France et dans d'autres pays européens. Nous avons rencontré Ali Dahmani, le nouveau délégué régional de la Grande Mosquée de Paris pour la région PACA. Il nous parle de ce projet qui connaît beaucoup d'engouement.
par l'intermédiaire de la Grande Mosquée de Paris. Nous allons organiser donc les colonies de vacances en Algérie. L'année précédente, ça a été un succès. Donc beaucoup d'enfants ont beaucoup aimé. Et cette année, par la grâce d'Allah, nous allons donc, inchallah, renouveler. Sachez que la colonie elle est financée par l'État algérien. Et donc on remercie infiniment l'État algérien ainsi que son président. L'initiative de cette association et de la part de l'Algérie qu'on remercie beaucoup, c'est de prendre les élèves de Marseille et de les amener en colonie de vacances en Algérie. À la fois pour, bien sûr, passer des vacances, des belles vacances en Algérie, pour découvrir leur pays, le pays de leurs ancêtres, et aussi pour leur apporter ce côté culturel qu'ils n'ont pas ici en France. Donc cette année, on devrait avoir un chiffre près de 2000 enfants qui sont invités pour partir en Algérie. L'année précédente, nous avons pu envoyer près de 900 enfants. Vous avez deux sessions. Donc la première session, c'est celle du 11 juillet jusqu'au 22 juillet. Et la seconde session, c'est celle du 25 juillet jusqu'au 7 août. L'association Sheba dans le quartier nord de Marseille aide les habitants du quartier à s'intégrer dans la société française, mais pas seulement. Cette société permet aux ressortissants algériens de nouer des liens avec des voisins aux cultures similaires, d'apprendre la langue française, leur offrir des activités, des ateliers et des sorties. C'est concrètement un lieu de vie pour ces femmes à la recherche d'un environnement qui leur rappelle leur pays d'origine. Comme on dit chez nous, « Riht le bled ». On est une association de femmes, on existe depuis 1986. Le but de l'association, c'est l'émancipation de la femme en général, par le travail, la formation ou même par d'autres moyens. Donc nous à Sheba, ici, il y a des cours de FLE, des cours de français, quoi, des cours d'informatique. On fait beaucoup d'accès aux droits. Donc tous les primo-arrivants, tout ce qui est premier titre de séjour, renouvellement de titre de séjour, demande de nationalité, tout ce qui est administratif, CAF, etc. C'est un endroit qui est très 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 apprécié par les habitants. Donc c'est pour ça qu'on a une très très forte demande par rapport à l'apprentissage du français. Notre public que nous recevons, c'est un public qui a un parcours migratoire assez difficile. Donc pour les faire venir, donc pour eux, ce n'est pas travailler le AVC, mais en fait se retrouver dans une famille où elles peuvent échanger, s'exprimer, passer un bon temps avec les autres. Et voilà, la communication se passe très très bien entre les communautés. C'est un lieu d'accueil, c'est un lieu de vie Sheba. Il faut savoir que c'est ouvert tous les jours et surtout les après-midi où les femmes viennent et autour d'un café, d'un thé, elles discutent, elles échangent et sur leur vie, sur leur parcours de vie. Et des fois, juste entre elles peuvent trouver des solutions à leurs problèmes. La compagnie algérienne Air Algérie a mis en place une formule de voyage dénommée Ousra, accordant une réduction sur les billets d'avion jusqu'à 70% à voyager du 1er juin jusqu'au 30 septembre de cette année, pour permettre aux familles algériennes de venir au pays et partir vers l'étranger durant la période estivale. C'est une opportunité donnée à ces Algériens pour garder leur lien avec leur famille au-delà des frontières. J'aimerais bien et quand on va aux agences, on trouve les places. Mais par contre, c'est bien, on est bien, on est content. Algérie Ferry a également annoncé une nouvelle offre promotionnelle baptisée Watani, permettant des réductions allant jusqu'à 60% sur les prix des billets. Monsieur Mahdeb, le directeur régional d'Algérie Ferry, nous en parle. On propose différents tarifs et qui se différencient les uns des autres par rapport à leur période d'application et leur durée de validité respective. Donc, nous proposons un tarif promotionnel Watani qui est applicable à partir du 10 août au 21 septembre dans le sens nord-sud et du 8 septembre au 23 septembre dans le sens sud-nord. Comparativement au tarif général, ce tarif est réduit de 60%. Le tarif Watani étant une initiative du gouvernement algérien,
Ce tarif permet en fait aux ressortissants algériens de pouvoir rentrer en Algérie en famille et avec des économies assez importantes si on compare ce tarif par rapport aux tarifs au moins cher. À la veille des élections présidentielles et l'ouverture des listes électorales, les adhérentes de l'association Sheba sensibilisent les habitants du quartier sur l'importance d'accomplir cet acte citoyen. Elles distribuent des tracts qui expliquent les démarches à suivre pour voter cette année. Oui, je vois qu'il y a des facilités. Elles ont facilité un peu les démarches administratives du moment que ça va se passer tout en ligne pour l'inscription. Et on n'est que satisfait pour tout ça, quoi. Ça nous aide aussi. Sincèrement, c'est surtout pour les personnes à mobilité réduite. Ça facilite un peu le déplacement aussi, que la personne ne se déplace pas jusqu'au quartier sud, quoi. Et sincèrement, c'est un allègement pour toute famille, quoi. La mobilisation sociale algérienne à Marseille bat son plein. L'association Les Bons Samaritains, qui a pour mission principale porter secours et assistance aux personnes en difficulté, Hamani Zohra partage avec nous l'honorable parcours de son association. Je suis ancienne fonctionnaire de police dans les années 1977, en 2006. Oui, c'est ça, 2006. Entre-temps, j'ai ouvert l'association qui vient en aide aux personnes défavorisées et aux personnes qui sont dans la précarité, des personnes qui sont des enfants, enfin, ou des jeunes délinquants. Donc ça a commencé comme ça, c'est-à-dire comme j'étais dans la police, donc ça a commencé comme ça. Et entre-temps, ben, on a ouvert donc l'association qui est devenue une association humanitaire. Donc on vient en aide aux personnes, des personnes âgées, des personnes qui habitent dans les foyers, pour les jeunes qui sont dans la rue, les jeunes qui dorment dans la rue, les personnes qui dorment dans la rue, les femmes, les hommes. Donc on vient en aide à ces personnes-là. Et voilà, bon, il y a pas mal de personnes qui vont nous aider quand même. Hein, donc beaucoup des Algériens, bien sûr. Ça fait maintenant plus de 6 ans que je travaille avec ma grand-mère. Je l'aide pendant le Ramadan. Je l'aide à donner des colis, à faire des colis. La réussite scolaire au cœur des prérogatives de la diaspora algérienne. Une réussite qui doit être au rendez-vous pour garantir le succès. La réussite scolaire faisant partie intégrante de la réussite éducative, l'école La Plume œuvre dans ce sens. Des cours de soutien sont dispensés aux élèves afin de maximiser leurs chances de réussite. Ça fait 15 ans que nous faisons ce travail en dispense des cours d'encadrement scolaire en mathématiques. C'est mon métier, je suis prof de maths, physique, chimie, français, anglais, les quatre matières. En fait, on ne peut pas trop se dispasser parce qu'en fait, on travaille sur deux journées, mercredi et samedi. Et donc, on ne peut pas s'étaler sur les autres matières. Voilà, je suis dans un retour sur investissement, à savoir que certain nombre de mes profs ici sont des produits de La Plume, en fait. Je les ai eus quand ils étaient en sixième. Les gens qui viennent ici sont les gens motivés, en fait, avec des familles qui sont derrière. Et donc, on n'a pas droit à l'erreur et en plus, ils payent. Je prends des cours à La Plume de la vie depuis l'année dernière. J'ai commencé quand j'étais en quatrième et j'ai commencé avec maths et français parce que ma moyenne, elle n'était pas incroyable, mais elle était normale. Et du coup, mes parents, ils ont voulu me prendre des cours ici, parce que j'avais des cousins et des cousines qui prennent des cours aussi ici. Et au début, dès que j'ai commencé, on a vu direct les résultats. J'avais mes moyennes qui ont augmenté et j'avais de bonnes notes. Du coup, à la fin de l'année de 4e, mes parents ils m'ont demandé si je voulais continuer de faire des cours ici. Et j'ai dit oui, parce que cette année, j'ai le brevet. Et mes notes, elles n'ont pas vraiment changé. J'ai toujours de bonnes notes. On nous apprend des choses qu'on n'apprend pas forcément quand on est en cours. Et on révise, on se cultive. Et même si on a cours sur nos temps libres, ben je trouve que ça sert beaucoup. Le cadre associatif est tout aussi présent à Bordeaux. Saïd Boujamaa nous parle de sa fédération qui œuvre à promouvoir le patrimoine culturel algérien à travers diverses activités.
On travaille sur les 10 départements de la circonscription consulaire. Donc, et on essaye de contacter les associations qui sont existantes. Il y a beaucoup d'associations qui vivent en autarcie. En France, il y en a des milliers d'associations, mais nous, on veut travailler sur la région Nouvelle-Aquitaine pour rassembler ces associations, de créer et de construire des projets importants. C'est ce qu'on fait avec la fédération, avec les associations de Limoges, Brive, Terrasson, Angoulême, La Rochelle, Pau, ainsi de suite. Je pense qu'on porte des projets de grandes envergures. Je vous ai parlé aussi de la pastorale, le dernier projet qui a été réalisé ici à Bordeaux. C'est au Théâtre Fémina. Il y a eu à peu près 700 personnes qui sont venues assister à cette pastorale. C'est une pastorale sur l'émir Abdelkader. Donc la pastorale, c'est des chants, des danses réalisées par des Basques. Et donc ils sont venus ici à Bordeaux, ils ont fait cette pièce qui a plu énormément au public. Voilà, ça c'est la dernière action qu'on a faite. Karima, de son côté, est très impliquée dans le soutien de la cause sahraoui, mais aussi la cause palestinienne. Elle partage avec nous ses expériences dans le domaine associatif. Nous accueillons les enfants sahraouis qui arrivent des camps de réfugiés de Tindouf. Donc mon rôle, c'est de préparer leur accueil. Donc en amont, de juin jusqu'à juillet, donc je prépare leur accueil, donc je fais le planning. Je prends rendez-vous avec les médecins pour préparer un bilan de santé à leur arrivée. Je prépare plusieurs activités. Nous organisons aussi une sortie pour pouvoir parler de la cause sahraoui au peuple français. Donc nous organisons une soirée où nous faisons découvrir la cause à travers une expo, à travers un film documentaire et à travers des échanges avec des sahraouis. Depuis le 7 octobre, je participe à différentes manifestations en faveur de la cause palestinienne. Je suis très engagée sur cette cause. En somme, une société civile immigrante très active et soucieuse du sort de son pays d'origine, mais aussi reconnaissante envers l'État algérien qui leur porte une attention particulière, lui ouvrant les portes de leur pays d'origine. Afin que cette jeunesse d'outre-mer puisse contribuer à l'essor de l'économie algérienne, mais aussi jouir pleinement de tous ses droits au-delà des frontières.